monde, c'est Wapi Disney. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de réception, achat. Donc il va concerner plusieurs achats, et notamment avec certains abonnés. Donc je suis trop contente de vous présenter ces transactions que j'ai pu faire avec des abonnés, j'en suis trop contente. Donc je vais commencer tout d'abord avec ces deux petites BD que j'ai obtenues. Donc avec l'abonné Tristan Paquet. Ça c'est mon chéri, j'avais pas internet en fait cet été, hein, donc... Bon, c'est des transactions de cet été, mais voilà, je vous les montre maintenant. J'avais pas accès à internet très souvent, donc du coup, c'est mon chéri qui s'est occupé de ça, et voilà, il a fonctionné avec un... Pardon, il a échangé, parlé et tout avec un abonné qui m'a contacté directement via ma page Facebook, donc c'est sympa. Si vous me suivez pas sur Facebook, si vous voulez m'envoyer des messages sur Facebook, c'est bien pour discuter aussi. Et du coup, il a contacté sur Facebook lui disant que voilà, il était intéressé pour me vendre deux BD. Donc c'est mon chéri qui me les a offerts et qui a fait toute la transaction lui-même. Donc j'étais vraiment trop contente après quand j'ai eu la surprise de ces deux BD en plus de dessins animés que j'adore et deux BD que je recherchais beaucoup en fait. Voilà, donc c'est l'abonné Tristan Paquet donc que je remercie énormément du coup de m'avoir contacté sur la page hein, pour me proposer ça. C'est vraiment super sympa. Donc au plaisir hein, de refaire ça avec toi. Donc c'est Peter Pan, je vais vous la montrer assez rapidement. On va voir si on peut incliner un petit peu. Voilà, bon, déjà vous voyez la couverture, j'ai un gros coup de cœur pour la couverture, elle est vraiment très jolie. Bon, on va la feuilleter. Oups là, j'ai donné un coup à celui-ci. Voilà. On va la feuilleter très rapidement pour que vous ayez un petit aperçu. Elle est vraiment très belle, j'adore les couleurs, les dessins sont trop beaux. Voilà. Je vous montre comme ça. Hein. Bon. Vous avez déjà vu d'autres BD, mais il y aura une autre vidéo d'une réception énorme de BD que j'ai pu obtenir. Voilà, je vous dis pas trop les titres et tout. Je vous montrerai, je ferai ça, une petite présentation en vous montrant en accéléré ou je sais pas trop. Vous avez vu là les couleurs comme elles sont belles. Captain Crochet. Hop. Voilà, bon, vous voyez hein, ça vous donne un petit peu une vision d'ensemble, je pense. C'est assez cool. Les dessins sont sublimes, j'aime beaucoup. Et ce passage merveilleux de la fin. Voilà. Alors, on retrouve un petit Peter. Et encore un petit dessin, hein, vous voyez le soin. Donc, des BD en parfait état en plus. Hein, vraiment, je suis très contente. Je vous montre quand même le dos. Voilà. Donc il y avait celle-ci, donc que je vais poser, mais il y avait aussi celle-ci, et je suis trop contente, comment vous dire, c'est mon Disney préféré, La Belle et la Bête, donc voilà, c'est vraiment celle que je recherchais le plus en fait, et du coup j'étais trop contente quand j'ai vu ça, je vous la montre aussi, ouais, elle est merveilleuse, hein. Très belle aussi. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Les images, la bête est super bien faite. Voilà. Voilà, regardez. Super beau. Donc voilà, n'hésitez pas, comme Tristan Paquet, si vous avez même des choses à me proposer, à la vente, tout ça, je serais ravie de faire plutôt des transactions avec vous plutôt que d'acheter ailleurs. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, c'est super sympa. Et il a envoyé le tout assez rapidement. Enfin, mon chéri m'a dit que ça s'était très bien passé. Donc c'est super. Ils ont trouvé un terrain d'entente, tout ça. Et que tu étais très gentil, Tristan. Donc voilà. Voilà pour cette jolie BD que je suis trop contente d'avoir. Dites-moi laquelle vous préférez. Au niveau de la couverture ou bien de l'intérieur, hein, donc que je vous ai montré, entre La Belle et la Bête et Peter Pan, donc. Donc voilà, je te remercie énormément et c'est vraiment trop cool d'avoir ça, du coup, dans ma collection. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc, deux autres achats. Donc bon, ça c'est un petit peu accessoire, hein, mais je vous le montre quand même, parce que ça faisait un moment que je le recherchais. C'est deux coques pour mon téléphone. Donc, la première... de Stitch, vous voyez comme elle est trop mignonne. Donc c'est des modèles pour Galaxy S6. Je vous montrerai ensuite le téléphone avec. Hein. Là je vous mettrai un petit aperçu juste là. Voilà.
Super jolie, donc une petite coque de Stitch qui est un de mes personnages préférés, avec le petit soupion ici. Je le trouvais tellement chou. Et en fait, il y a des petits dessins que vous voyez en transparence, en fait, que selon l'angle, le Stitch se révèle, en fait. Donc elle est très très jolie. Et enfin, celle-ci. Voilà. J'avais vu une coque similaire sur la chaîne de Lauren fait des bêtises, une youtubeuse qui fait un peu de tout mais qui est passionnée par Disney et que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de sa chaîne au cas où. Et donc j'avais vu une coque comme ça et je l'ai trouvée trop chouette. Du coup, je cherchais, j'ai cherché. Regardez avec les petites cornes là. Voilà, un effigie de Sully que j'adore. Et même l'intérieur est joli, regardez. Est-ce que on va réussir à le voir? Attendez. Pourquoi il va plus? Hop. Voilà, désolé, j'ai réussi. Il y a même un petit Sully à l'intérieur. Donc voilà, je vous montrerai aussi le téléphone avec. Hein. Là, c'est la coque que j'ai en ce moment. Et je la trouve trop, trop, trop jolie. Voilà, donc je vous montre la petite carte de la dame qui fait ça. Donc j'ai commandé sur internet. Hein. Donc c'est Mode Attitude. Donc Cheno Jessica, qui est donc auto-entrepreneuse et qui s'occupe de ça. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez. Elle a, je crois, un petit peu tous les modèles. Tous les modèles de téléphone. Hein. Enfin, en tout cas, les plus courants, les plus célèbres. Bon, ce que vous voulez. Donc voilà. Je vous laisse son adresse si vous voulez la contacter. C'est des très bonnes coques et elles sont de bonne qualité. Bon, je vous dirai après sur la durée, mais pour l'instant, je suis assez satisfaite. Là, les boutons sont en fait fermés, mais le téléphone fonctionne très bien. Tout est fait pour. Les trous sont bien répartis et ça ne gêne aucunement l'utilisation du téléphone. Donc c'est parfait. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et enfin, ce dont je suis quasiment le plus contente, quoi, parce que c'est vraiment de la création pure. C'est des papercraft que j'ai commandés à Isnor. Donc bien sûr, je vous mettrai sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller visiter sa chaîne qui est juste super originale et tellement fun. Il est très très créatif et très doué surtout. Donc je vous les mets là. Je vais vous les montrer après de plus près. Voilà. Donc ce sont des papercraft, donc il faut savoir que Isnor il est normalement spécialisé dans les papercraft Pokémon. Bien évidemment, c'est son univers de prédilection. Mais voilà, moi je lui ai fait une commande en me disant bah, peut-être qu'il va accepter de me faire des papercraft de Disney. Et il a tout de suite accepté, il a fait des recherches pour voir les papercraft possibles. Donc j'étais vraiment super contente. Il a été très 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 honnête, très sympa. Et voilà, Isnor que j'adore et que je te fais un petit coucou au passage. Voilà. Donc je vais vous les présenter de plus près. Donc un petit Stitch qui est juste trop trop chou. Voilà. Avec la bouche ouverte. Donc du coup il a la petite tête qui peut bouger. Avec son petit présentoir. Je vous montre le dos. Il a bien ses petites taches et tout. C'est Stitch quoi, il est trop mignon, je l'adore et Stitch il me l'a carrément offert. Donc voilà, hein. J'ai déjà dit un grand merci, mais je le redis, Isnor, si tu passes par là, c'est vraiment adorable de ta part. Et ici, Eve, donc que je trouve merveilleuse, regardez comme c'est bien fait. Elle est trop trop belle. Voilà. Regardez ça, j'adore. Et là, elle a aussi son petit présentoir avec marqué Eve de Wally. Voilà, donc je vous la mets en fond pour que vous puissiez bien l'admirer. Je suis trop trop fan. Et ben, j'ai aussi mon petit Wally. Donc Wally, c'est un dessin animé que j'affectionne vraiment énormément. Et il est trop chou. Il est petit, comme vous pouvez voir, il tient dans la main et comparé à Eve, en fait, qui est assez gros du coup. Voilà, il est trop chou. Il peut lever la tête comme ça et j'adore quand je les mets à côté. Je trouve ça tout simplement trop trop chou. Donc voilà. Voilà ces papercraft auxquels je tiens énormément et qui feront super beau après quand j'aurai ma belle vitrine, tout ça. Je projette dans mes rêves, hein, bien entendu, mais. Voilà, j'espère que ça sera un jour possible. Pour l'instant, ils font déjà très très beau à côté de ma collection. Et puis voilà, mais du coup, je suis absolument dégoûtée car j'ai ouvert ça, enfin j'ai reçu ça, j'étais chez mes parents. Et du coup, j'ai la petite carte que m'a gentiment dédicacée Isnor et tout, avec donc son petit logo et tout.
que j'ai laissée. Je trouverai un moyen, je la prendrai en photo et je vous mettrai toutes ses coordonnées pour pouvoir le contacter parce qu'il fait vraiment du bon travail et voilà. Donc même si je pense que la majorité d'entre vous le connaissent déjà, allez-y vraiment et n'hésitez pas à lui faire des commandes, il fait du travail superbe. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'achat vous aura plu avec donc les coques. On va mettre les coques ici. Mais aussi les jolis BD. Voilà, bon, Peter Pan qui est du coup à côté. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu et ben, au plaisir de traiter avec vous. Je vous redonne le petite coordonnée de mode aptitude. Voilà, je vous mettrai bien entendu la chaîne de Isnor et la chaîne de Lorane dans la description, pourquoi pas. Et puis voilà, donc moi je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie encore énormément. Gros bisous Isnor, gros bisous Tristan. Et voilà, gros bisous à tout le monde. Wapi bisous!